il en met du temps. J'espère que ça va. Ah bah te voilà. Ça va? Je vous avoue que je serais pas contre boire un petit coup. Ouais, bah on en est tous là, mon gars. La musique est plutôt cool, hein. C'est quoi la playlist? La compile des zouzous. Oui, le rythme est pas mal, mais je ne saurais pas comment la danser. Je crois que je serais capable de me buter, là. Moi, j'aime bien cet endroit. Je trouve que la déco est sympa. T'es nouveau, toi. Ça va vite te taper sur le système. Moi, j'aime bien les fleurs. Oh, elles sentent bon. C'est des fausses. Ça, c'est chiant. C'est chier, ces gants de merde. En tout cas, c'est bien qu'on passe un moment ensemble. Ça permet de faire connaissance, je trouve. Hein? C'est sûr, ouais. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Moi, j'ai neutralisé deux vélociraptors, et puis après, j'ai tiré la mitraillette pendant 2 heures sur un château fort. Oh! Ouais. Oh. Et toi? Oh, moi, j'ai passé une super journée. Clé de bras, kick, high kick, punch, 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 punch. Je me suis éclaté. Ah ouais, ça devait être super génial. Et toi, Paul, qu'est-ce que t'as fait? Alors, t'es mignon, tu vas descendre d'un étage, d'accord? Pour toi, je suis le docteur Chanoui. Et même si j'avais envie de te parler, je suis tenu par le secret médical. Moi, je me suis fait peigner. Toute la journée? Oui. Putain. Alors, tu feras attention, ça abîme le cuir chevelu, hein. Ça fait des excès de sébum. Et toi, Yannick? J'ai pas envie d'en parler. Bon, bah, au cas où ça intéresserait quelqu'un, en tous les cas, moi, j'ai passé une journée exécrable. Voilà, hein, une bonne journée de merde et je suis explosée, voilà. Oui, c'est vrai que c'est très fatigant de passer sa journée à montrer sa petite culotte. Alors, j'ai pas fait que ça, tu sais. J'ai fait des piqûres, j'ai fait des pansements. On s'en fout. Pardon? C'est vrai qu'on s'en fout. Ah ouais? On s'en fout? Pourquoi on s'en fout? Fais pas gaffe, il est toujours un peu grognon. Non, non, je suis pas grognon, je suis lucide. Vous passez une bonne soirée, là? Vous en avez pas marre de faire semblant? Ça va durer combien de temps, ça? Hein? Combien de temps on va faire semblant comme ça, là? Ah, puis regarde-toi, franchement, Yannick. Moi? Ouais, toi. C'est ça la vie que t'as choisi? Je sais pas. Bah non, mon pote, t'as pas choisi. On a qu'à organiser un grand bal, on invitera tout le monde. Et on mettra des belles robes. Oh, je pourrais même trouver mon prince charmant. Mais vous voyez pas que c'est du vent, tout ça? Nos vies parfaites, là, rangées, raisonnables, dans des cases. Ouais, mais parle pour toi. Moi, personnellement, ma vie me convient très bien. Ta vie? Parce que tu crois que c'est toi qui décides? Mais il a raison, mec, on choisit rien ici. Tu choisis rien, c'est toi qui l'as choisi, peut-être cette panoplie de merde. Bah écoute, il restait que ça. Moi je le trouve très bien, je suis très bien dedans, j'ai plutôt de la chance. Ça pourrait être pire. On a de quoi manger à notre faim, un toit au-dessus de notre tête, on a même du personnel, des domestiques. Non, on a une vie parfaite. Mais arrête là, putain! Tu vis pas dans un conte de fées, espèce de connasse! Est-ce que quelqu'un voudrait une tasse de thé? Bon, on va peut-être se calmer un petit peu, hein. Passer un bon moment jusque-là, hein. Non, c'est dommage quand même. C'est vrai, ça vous gâchez toujours tout. Vous êtes de méchantes personnes. Mais qu'est-ce qu'elle a, Miss Limousin, là? Il y avait pas de paillettes dans ton caca ce matin? Et oh, tu parles pas, Josie, comme ça, hein. Alors je fais ce que je veux, en fait, tu sais. Et accessoirement, je t'emmerde, voilà. Arrêtez. Si je vous reprends encore une fois, lui manquer de respect, là, tous les deux. Je vous défonce vos petites gueules, vous m'avez bien compris? Alors d'accord, elle est complètement débile, elle est... Ça c'est sûr. Teubée, mais elle au moins, elle est gentille. Pour de vrai. Oh, mais j'ai l'impression qu'il serait en train de tomber amoureux celui-ci. Oh oui, un mariage. Mais quelle merveilleuse idée. Eh, si vous avez des petits, vous en gardez un, ça nous fera plaisir. Mais c'est vrai que je suis gentille. Je sais bien que vous me prenez tous pour une conne. Vous croyez que ça m'amuse de jouer à la pintade à longueur de journée? Oh oui. Je sais que je vous fais rire. Oh, je les entends, vos sarcasmes, dès que j'ai le dos tourné. Je suis conne, mais je suis pas sourde. Alors, on joue tous un rôle, mais on n'a pas tous la chance d'avoir le bon.
On est tous dans la même merde, non? Moi j'ai perdu mes trois meilleurs copains. Je vous fais pas chier avec mes angoisses. Mais putain, mais vous voyez pas qu'on est en train de s'autodétruire là? Il faut qu'on puisse s'évader. Bah oui, oui, bah s'évader. Faut un plan. Et alors moi justement j'ai... Non mais alors le plan, tu vois, c'est... Tu vas fermer ta gueule! Je t'aime. Mais laisse-moi parler. Alors maintenant c'est fini les conneries. Hein? C'est maintenant. Ensemble, tous ensemble, ici, que nous allons marquer l'histoire. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Vous êtes avec moi? Peter. Chérie. On a un cadeau. C'est pour ton anniversaire. Tu viens d'Amérique, toi, alors? Alors, non, pas du tout. Moi, je viens de Taïwan.